Voilà, ça fait toujours plaisir de revoir ces images. Oyonnax, vainqueur de Prix d'Amérique, qui totalise plus de 1 877 000 euros de gains dans sa carrière. Alors, il a débuté à Graignes à l'âge de 3 ans. Il était associé à son entraîneur Vincent Brinzon à l'époque. Il était deuxième. Et pour la petite histoire, en fait, ce jour-là, il était battu par Sébastien Ernaud. Sébastien Ernaud qui le mènera 5 ans plus tard au succès dans le Prix d'Amérique. Donc en octobre de ses 4 ans, Vincent Brinzon, il l'avait confié à Philippe Mascal à Caen pour l'essayer sous la selle. Et là, il s'imposait pour sa première tentative au trot monté à Caen déjà à ce moment-là. Et là, il a prouvé justement ses capacités dans les deux disciplines. Alors je ne vais pas vous détailler non plus toute sa très belle performance et sa très belle carrière. Mais c'est vrai que pendant le meeting 2009-2010, il s'est classé second du prix du Bourbonnais. Il était battu par Carla et il devançait Paris au fort. Et puis donc ce prix d'Amérique 2010. Donc, d'abord il est septième dans le Cornulier en 2010 et puis 8 jours plus tard il remportait donc le prix d'Amérique. Il a enchaîné ensuite au mois de mai avec le prix des Ducs de Normandie à Caen. À 9 ans, il est encore troisième du prix de Bourgogne et deuxième du prix de Paris derrière Maradja. À 10 ans, il est encore second du prix des Ducs de Normandie derrière Texas Charm. Il était ce jour-là associé à Yves Dreux. Donc une très très belle carrière de course pour ce Oyonnax, bien sûr. Cheval complet, attelé, monté, droitier, gaucher. Alors des origines exceptionnelles, hein. C'est un fils de In Love With You, donc petit-fils de Cocktail Jet. Sa mère, Hermine Durga, est une fille de Blue Dream. Elle a engendré également Pomerol de Lomac et Angel Rock. Sa deuxième mère a fait Calin Durga, Maud de Loup et surtout Rombaldi. Sa troisième mère a fait Arnaqueur et Haute Voltige, la mère de Nem. Et sa quatrième mère a engendré Ouragon et puis la classique Rangonne. Donc des origines exceptionnelles pour Oyonnax. Il fait la monte au Haras des Rivettes, c'est chez Stéphane Vacher à Champtocé-sur-Loire. Il est au prix de 300 euros à la réservation et 2 700 euros poulain vivant.